Cours numéro 7, CMH et présentation de l'antigène. Rôle des cellules dendritiques dans la capture et la présentation d'antigènes. Les antigènes étrangers peuvent pénétrer dans l'organisme par différentes voies. Les voies les plus courantes sont la peau et les épithéliums des systèmes gastro-intestinal et respiratoire. Les cellules dendritiques conventionnelles sont présentes dans la plupart des épithéliums qui s'interfacent avec le milieu extérieur et dans d'autres tissus, notamment les organes lymphoïdes. Prenons l'exemple de la peau, qui est riche en cellules dendritiques, que ce soit dans le derme ou l'épiderme. La peau contient de nombreux capillaires lymphatiques qui drainent la lymphe vers les ganglions régionaux. Certains antigènes sont transportés dans la lymphe par des cellules présentatrices d'antigènes, dont nous avons parlé dans la vidéo précédente. Les cellules dendritiques sont les CPA, les plus aptes à capturer, transporter et présenter les antigènes aux lymphocytes T. D'autres antigènes pénètrent dans les lymphatiques sous forme libre ou acellulaire. Ainsi, la lymphe contient un échantillon de tous les antigènes solubles et associés aux cellules présentes dans les tissus. Les antigènes sont concentrés dans les ganglions lymphatiques qui agissent comme des filtres pour la lymphe avant qu'elle n'atteigne le sang. En revanche, les antigènes transmis par le sang sont capturés principalement dans la rate. Les cellules dendritiques résidant dans les tissus au repos sont parfois appelées cellules dendritiques immatures. Elles expriment de nombreux récepteurs membranaires de type PRR, comme les lectines de type C. Les cellules dendritiques utilisent ces récepteurs pour capturer et endocyter les microbes, puis transformer les protéines ingérées en peptides capables de se lier aux molécules de CMH. Ce processus est appelé apprêtement. Simultanément, mais indépendamment de la présentation antigénique, les cellules dendritiques sont activées par des produits microbiens ou par des cytokines produites par certaines cellules en réponse à l'infection. L'activation convertit les cellules dendritiques, des cellules dont la fonction principale est de capturer l'antigène, en cellules capables de présenter les antigènes aux lymphocytes T naïfs. Elles expriment de niveaux élevés de molécules de CMH ainsi que des molécules de costimulation nécessaires à l'activation des T. De plus, les cellules dendritiques activées ou matures perdent leur adhésivité tissulaire et commencent à exprimer un récepteur appelé CCR7, qui est spécifique de deux chimiokines produites dans les entailles des ganglions lymphatiques. Ces chimiokines attirent les cellules dendritiques nouvellement activées dans les lymphatiques afférents et finalement dans les entailles des ganglions. Les lymphocytes T naïfs spécifiques à l'antigène rencontrent les CPA dans les entailles et s'activent. Il s'agit de la première étape de l'induction des réponses T adaptatives aux antigènes protéiques. En ce qui concerne les antigènes qui sont transportés vers les ganglions sous forme libre, ce sont les cellules dendritiques résidentes dans les ganglions, appelées interdigitées, qui vont se charger de leur apprêtement et de leur présentation. D'autres antigènes sont capturés par les macrophages de sinus sous-capsulaire, puis transportés sans apprêtement à travers les follicules vers les cellules B. Maintenant que nous avons décrit les fonctions des CPA et comment les antigènes sont capturés et transportés vers les organes lymphoïdes, dans les prochaines vidéos, nous nous tournons vers le mécanisme de présentation et en particulier le rôle des molécules de CMH dans ce processus.